Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les livres audio, l'accessibilité des livres audio sur deux plateformes. La première plateforme, on va la voir à partir de Livre. On va donc voir dans un premier temps à partir de l'application Libre et on va ouvrir. Livre. Dans l'application Livre, vous avez tout en bas différents onglets. Lorsque vous rentrez dans cette catégorie, vous allez pouvoir choisir vos livres, les acheter et voire même écouter des extraits. Exemple ici. Une terre promise de Barack Obama. Histoire du Rouge-Gorge de Jeunesse. L'incendie nocturne de Michael Connelly. Bouton. Allez, on va écouter donc l'incendie nocturne de Michael Connelly. On ouvre. Incendie nocturne. Ici, on a un résumé de notre livre. À ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. Un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à déployer tous ses efforts pour la. Donc, ici, c'est le résumé de notre livre. Si on navigue dans cette page, on va avoir un bouton. Acheter pour 18,99 €. Acheter le livre pour 18 €. Ou sinon, Liste d'envie. Extrait. Bouton. on peut avoir un extrait audio de quelques minutes et voir ce que ce livre donne. On va lancer tout de suite. Extrait. Aperçu du livre audio. Fermez l'aperçu. Pendant son Bouton. meuble, jusqu'à ce qu'il voie les gens rassemblés devant celle du vieil inspecteur John Jack Thompson. Au transfert sur le home en cours, Par contenu là, multimédia. et qu'il devait rapporter le dessert. Il était donc descendu de son véhicule de Voilà donc les fonction, amis, on est passé s'était fait sur les remontrer son badge HomePod au et ça c'est conducteur. vraiment génial puisque Puis, il l'avait je peux informé qu'il récupérer venait de commettre mon une livre sur mon violation iPhone du code de la route, passible de deux gâteaux d'amande. Mais juste comme il et le l'était, rebalancer. il avait fini ce genre d'anecdote et la légende. Bureau, transfert sur le HomePod en cours, Jack contenu Thompson multimédia. avait perdu de l'homme qui s'était rassemblé autour de sa tombe. Et là, les amis, vous avez un super son de livre audio. Bosch reconnut bon nombre d'hommes et de femmes avec lesquels il avait travaillé du temps. C'est instantané, je le récupère sur mon iPhone sans problème. Autre exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel transfert aussi rapide, efficace et avec une qualité de son? Je peux vous dire que deux HomePod mini, l'un à côté de l'autre, en mode stéréo, c'est vraiment le top. Passons sous une autre plateforme et testons comment ça se passe. YouTube, trois nouveaux. On va donc dans YouTube. On va donc sur Rechercher. Rechercher, bouton. Et on va rechercher des livres audio. Car vous savez que sur la plateforme YouTube, des livres audio, vous en trouvez à profusion. C'est parti. Recherche vocale, bouton. Recherche retour. Livre audio. Données cellulaires, trois. Gratuit. Retour, bouton. Livre audio d'Audible, s'endormir au son des livres, gratuit, annonce, télécharger. Livre audio gratuit, 6h, 4 minutes et 46 secondes, Twilight, une fascination, partie un Stephanie Meyer, livre audio, Pepito les livres audio.médian, prend KV.médian il y a 3 semaines. Action 10, 4h, 15 minutes et 3 secondes, Le château de ma mère lu par Marcel Pagnol, livre audio, prof, 6h, 4 minutes et 46 secondes. On va donc écouter Twilight, on va donc écouter ce livre. Et vous allez voir qu'il est vraiment très sympa avec cette qualité HomePod. Vous allez voir, c'est hallucinant. 6h, 4 minutes et 4. Lecteur vidéo. Chargement de la vidéo en cours. En tête. Passons au HomePod. Audio présente. Bureau. Transfert sur le HomePod en cours. Contenu multimédia. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Genèse. Je récupère le son sur mon iPhone. Prologue. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrai. Merci. Bureau, transfert sur le HomePod en cours, contenu multimédia. Ces derniers mois, j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Mais je n'aurais pas, imaginé que ça se passerait ainsi. Bureau, transfert sur le HomePod en cours, contenu multimédia.
Je fixais les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Écoutez et regardez comme c'est instantané au niveau du transfert. Ça devrait compter en ma faveur. Si je n'étais pas partie pour Forks, c'est vraiment énorme. Pas retrouvée dans cette situation, j'en avais Bureau, transfert sur le home button court, contenu multimédia. Pourtant, aussi terrifiée que je fusse, on est donc sur la plateforme YouTube et on est capable d'écouter de superbes livres tranquillement. C'est vraiment le top. Vos espérances. Il serait déraisonnable de pleurer sur sa fin. Partez, revenez, avec un sourire, posez votre iPhone et récupérez le son. C'est ça l'avantage du HomePod et du iPhone. Avec la puce U1. Voilà, donc connaissez-vous l'application Eloquence. Eloquence est une application qui regroupe pour vous les meilleurs articles de votre choix qui va vous lire et donc ils vous seront lus par une synthèse vocale. Rentrons à l'intérieur. Eloquence. Donc si, par exemple, je veux lancer cet article. Nuclé BTN, bouton, cure. Une fois que vous avez ouvert un de ces articles, tout en bas, vous avez donc un lecteur média qui s'ouvre et vous êtes capable de lancer soit la lecture. Bouton, peut-être, lecture. On va donc lire. Cœur de talent, BTN, être humain affreux, lecture.fr. Temps de lecture, 9 minutes. C'est sans doute une des personnes les plus intelligentes à avoir foulé la planète Terre. L'affirmation est pour actuellement, nous sommes sur l'iPhone. Qui a passé plusieurs années à enquêter sur le passons tout de suite sur les HomePod. Le plus dur quand j'ai écrit la biographie de William Shockley, c'est que je me suis rendu compte. Il suit une formation scientifique à l'université de Californie Caltech, puis rejoint le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, MIT, où il soutient en 1936 une thèse portée par le laboratoire Bell, du nom de l'inventeur Graham Bell. Nous en sommes encore aux prémices de l'électronique. Donc voilà, même des applications tierces, vous êtes capable de lancer sur vos HomePod. Et le Bell Lab entend faire progresser ce champ, en particulier en matière de téléphonie et de radiophonie. L'établissement sera à l'origine de plus de 29 000 brevets et abritera 8 prix Nobel. Je vous laisse profiter de la qualité. L'inventoire est mis au service de l'effort de guerre. William Shockley se concentre sur l'amélioration des systèmes radars, notamment dans l'espoir d'optimiser la visée des bombardiers B-29 américains. Shockley est chargé en juillet 1945 de rédiger un rapport sur le nombre de victimes que pourrait occasionner un débarquement des États-Unis au Japon. Ce rapport, en soulignant l'ampleur des pertes américaines lors d'une telle opération, aurait incité Washington à envisager les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. L'ingénieur reçoit la médaille du mérite en 1946, remise des mains du secrétaire d'État à la guerre, Robert Patterson. Et pour terminer sur une superbe application Easy Reader, une application complètement dédiée aux personnes en situation de handicap visuel, mais pas que, écoutez ça et vous allez m'en dire des nouvelles dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez vous-même cette application? J'attends sur vos commentaires. Easy Reader. Touchez deux fois. Bienvenue à Easy Reader. Application de lecture accessible aux personnes dyslexiques, non ou malvoyantes. Profitez de vos textes, de vos livres et de vos journaux. Ignorez, bouton, pour toujours plus d'accessibilité. Accédez à toutes les zones grâce à VoiceOver. Lisez confortablement avec vos paramètres de couleur, de taille et de surlignage de texte. Des milliers d'ouvrages accessibles. Donne accès à la plus importante collection d'ouvrages et de journaux accessibles au monde. Choisissez votre bibliothèque pour un accès immédiat à des milliers de titres. Commencez à lire. Ouvrez une session à l'aide de votre compte Google ou Dolphin, ou créez un compte Dolphin gratuitement. Sign in with Apple. On va donc se connecter à partir de mon compte Google, c'est parti. Google, bouton, Google, avertissement. Easy Reader souhaite utiliser google.com pour se connecter. Cela annulé. Continuer, bouton. Menu latéral, bouton. Mes ouvrages, bouton. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Gérer vos bibliothèques, Bob Char, cela librairie, et puis Books, Project Gutenberg. Éol. Mes journaux, bouton. Mes textes dans le presse-papier, bouton. Aide et à propos, mes journaux. Alors, je vous conseille d'aller tout de suite dans ePub, dans ePub Books. ePub Books. Rentrez. ePub Books, en tête. Et là, nativement, vous avez tout un tas de livres que vous allez pouvoir lire. C'est vraiment ultra génial. Écoutez ça. Aventure.
Champ de recherche, aventure, young reader, short story, romance, science-fiction, comédie. Allez, on va prendre comédie. Afficher les résultats de Bouvard et Emma, Jane Gustave Flaubert. On va ouvrir ce livre. Bouvard et P. Taille, Bouvard et Gustave Flaubert. Télécharger, bouton. On a donc un bouton télécharger. Format, et pub. Taille, 500, bibliothèque, format, télécharger, bouton. Ce qu'on va faire tout de suite. Interrompre téléchargement. Sélectionner. Contrôler d'autres par du iPhone. Title page. Destination pour la lecture. Bouton. On peut donc lancer la destination. On peut donc lancer la destination de cette lecture. Bureau. Sur bureau. Bureau. Strict note fort commercial use. C'est parti sur les HomePod. Is released under a Creative Commons by NCND 3.0 license. http://. Voilà, donc ça, c'est la quatrième possibilité. Et voici la cinquième possibilité, vraiment énorme, des possibilités ultimes pour lire, se régaler dans la lecture. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez cette superbe application du nom de Voice Dream Reader? Voice Dream Reader. C'est parti, on ouvre. Voice Dream Reader, ajouter. Alors ici, à chaque fois que vous allez lire un livre, vous allez pouvoir transférer grâce à la puce U1 des HomePod la lecture de vos livres préférés sans problème. En lecture, Germinal. Émile, nouveau, démarrage rapide. Allez, on va se lire Germinal. En lecture, Germinal. En lecture, ajouter, bibliothèque. Là encore, on a donc tout un tas de textes possibles. Alors si vous ne connaissez pas toutes ces applications, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrai vous envoyer les liens personnellement. Alors on a là encore une barre de menu en bas avec lecture, unité de navigation, trans, lecture, sélection de texte, commence, lecture. Allez, on lance la lecture. Dans la pleine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 km de pavés coupants tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait. Et là, j'ai récupéré ça sur mon iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez la lecture comme moi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes un grand lecteur, si vous aimez la lecture sur votre iPhone, si vous avez des HomePod et si vous en servez de telle façon. Et surtout, n'hésitez pas donc à m'encourager, abonnez-vous, likez et partagez, ça fait toujours plaisir, ça encourage. On arrive donc à 55 000 abonnés, c'est vraiment magnifique, merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous.